Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme et que votre semaine démarre super bien. Alors aujourd'hui, le sujet que je vais aborder avec vous, c'est le tofu. Ben oui, en fait, on m'a réclamé ce sujet parce que de nombreuses personnes veulent changer un petit peu les sortes de protéines qu'elles consomment au quotidien et aimerait bien utiliser des protéines végétales comme ce qu'il y a dans le tofu, mais ne savent pas le cuisiner. Donc souvent on me dit oui, j'aimerais bien utiliser le tofu, mais franchement ça n'a pas de goût, c'est fade, la texture elle est bizarre. Donc aujourd'hui je vais vous expliquer déjà l'intérêt d'intégrer du tofu dans vos repas. Et cette semaine, je vous donnerai deux recettes, vous verrez, à base de tofu ferme que vous allez pouvoir réaliser et vous verrez que ces recettes ont beaucoup de goût. Donc j'espère vous faire changer d'avis à ce sujet. Coucou à celles qui viennent de me rejoindre. Mais en tout cas, merci d'être connectées. Alors je vais vous expliquer ce qu'est d'abord le tofu, quel est le procédé de fabrication. Ben, en fait, c'est fait à base de jus de soja. Qui va être caillé puis pressé. Et en fait, suivant les tofu, il va y avoir un pressage qui est plus ou moins important. C'est pour ça qu'on retrouve différents types de tofu. Je sais pas si vous avez vu ça dans les grandes surfaces ou dans les magasins bio. On retrouve soit un tofu soyeux qui a là une texture qui est très onctueuse, un petit peu comme un yaourt crémeux. Et on retrouve le tofu ferme qui là est présenté sous forme de bloc compact et qu'on peut couper en petits morceaux. Donc ces deux types de tofu vont bien sûr pas avoir les mêmes caractéristiques nutritionnelles ni les mêmes utilisations dans les préparations culinaires. Alors au niveau nutrition, c'est quoi l'intérêt? Donc effectivement, c'est une très bonne source de protéines, le tofu. Alors dans le tofu ferme, on y retrouve entre 14%, c'est le cas pour ce tofu là, jusqu'à 18-19% dans certains autres tofu qui sont très très pressés, très compactés. C'est des protéines de très bonne qualité. Elles sont très bien assimilées par notre organisme parce qu'elles contiennent tous les acides aminés essentiels dont on a besoin. Donc, c'est des protéines qui remplacent parfaitement les protéines animales telles que ce qu'on retrouve dans la viande, dans le poisson. Donc n'hésitez pas à intégrer du tofu, 100 g de tofu à la place de 100 g de viande ou de poisson dans vos préparations. Par contre, le tofu soyeux, lui, est beaucoup moins riche en protéines. Il va contenir que 5% de protéines, donc il sera utilisé dans d'autres préparations ou même dans des desserts. On peut utiliser le tofu soyeux, mais ça, on fera d'autres recettes si vous avez envie avec du tofu soyeux. Donc intéressons-nous à ce tofu ferme. Donc comme je vous disais, ça remplace parfaitement bien les protéines de la viande ou du poisson. Et aussi le côté intéressant, c'est que ça va contenir des graisses végétales riches en acides gras insaturés et eux sont protecteurs au niveau cardiovasculaire. Donc ça va être beaucoup plus intéressant que ce qu'on retrouve dans la viande. Et il n'y a pas du tout de cholestérol aussi dans le tofu. Donc intéressant pour tous ceux qui ont des problèmes cardiovasculaires ou des problèmes de cholestérol élevés dans le sang. Donc vous voyez plein d'intérêts à consommer ce tofu. Alors effectivement, ce tofu, il a des saveurs, une saveur qui est assez fade. Donc si on veut le consommer comme ça, tel quel, on ne va pas l'aimer. Donc ce tofu, il va falloir le faire mariner si on en prend un nature. Donc dans ce cas, je vais vous donner une recette. Alors demain, je vous en ferai une en live de recette de tofu mariné. Mais il faudra le faire mariner un certain temps pour qu'il prenne bien le goût. Donc je vous conseille de le faire mariner la veille. Et ensuite, on pourra le faire sauter, l'intégrer à des préparations. Donc vous voyez, ça peut être vraiment super sympa dans des salades ou dans des plats chauds. Et donc je vous donnerai une recette de tofu mariné, comme ça, de nature. Et une autre recette que je vous donnerai, ce sera un curry de légumes au tofu fumé. Alors vous verrez que là, il y aura plein d'épices, il y aura plein de saveurs. Donc pas de raison de me dire que ce sera fade. Et donc des super repas pour les végétariens, les véganes ou ceux qui veulent diversifier leur alimentation. Et donc demain, je vous ferai une petite recette en live avec le tofu
nature. Et sachez qu'il existe aussi des tofu fermes qui sont déjà aromatisés. D'ailleurs, vous verrez, certains sont même beaucoup plus fermes que ceux-là. On va en retrouver au curry, on va en retrouver fumé, on va en retrouver au paprika ou au piment. Donc n'hésitez pas à aller voir. Alors souvent, on en retrouve beaucoup plus de sortes dans les magasins bio. Donc n'hésitez pas à aller découvrir ces produits parce que du coup, s'ils sont déjà parfumés, ils vont avoir beaucoup plus de goût que si vous prenez le tofu nature qui va être vraiment, lui, très neutre. Voilà, donc intéressez-vous au tofu et vous verrez qu'avec les recettes que je vais vous donner cette semaine, ça vous le fera découvrir autrement, c'est ce que j'espère en tout cas. Voilà pour aujourd'hui et bah, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée et je vous retrouve donc pour le live cuisine demain où on va préparer ensemble du tofu. Je vous souhaite une belle journée. Ciao, ciao !